La Bourse de Paris évolue dans le vert avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,16% à 30 046 points, tandis que le S&P 500 perdait 0,13% à 3 663 points et que le Nasdaq Composite perdait lui 0,23% à 12 377 points. Les investisseurs qui se laissent notamment porter par l'espoir suscité par l'autorisation d'utilisation d'urgence délivrée par la FDA à propos du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Le gouvernement américain a ensuite d'emblée pris le relais et devrait faire livrer un peu plus de 6 millions de doses dans 50 États américains dans les jours qui viennent. Au total, le gouvernement américain prévoit de livrer pas moins de 100 millions de doses d'ici fin février 2021. Une annonce qui vient renforcer l'espoir de voir la pandémie réduire sa progression malgré les nouveaux records de contamination enregistrés un petit peu partout. L'Allemagne a notamment décrété un confinement partiel à partir de mercredi jusqu'au 10 janvier pour combattre l'épidémie. Plusieurs voix s'élèvent également en Suisse pour demander un confinement alors que le pays voit le nombre de ses nouvelles contaminations flamber depuis début novembre. Aux États-Unis, toujours le plan de relance proposé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains sera dévoilé aujourd'hui au Congrès. D'un montant de 908 milliards de dollars, il sera divisé en deux volets afin de lui donner toutes les chances d'aboutir. Le premier volet concernera 748 milliards de dollars centrés sur les aides aux petites entreprises et aux chômeurs ainsi qu'au financement de la distribution du vaccin. L'autre partie concernera, elle, la protection des entreprises et les aides aux collectivités locales qui sont les points sur lesquels démocrates et républicains ont du mal à s'entendre. À noter enfin qu'aux États-Unis, c'est aujourd'hui que les grands électeurs vont à leur tour voter pour le président des États-Unis. Joe Biden devrait voir sa victoire ainsi officialisée, alors que la Cour suprême a refusé d'examiner un recours des autorités du Texas qui demandait l'annulation des votes dans 4 États clés. Les investisseurs qui gardent également en tête la prise de parole de la Fed qui aura lieu ce mercredi. Du côté des valeurs, rapidement, du coup, à Wall Street, on notera essentiellement le rachat de la biotech Alexion par AstraZeneca, une transaction à 39 milliards de dollars qui permet à AstraZeneca de se renforcer dans le développement du traitement contre les maladies rares et dans le secteur de l'immunologie.